Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Armstrong, on joue ensemble à Wolfenstein The New Order, c'est la 12e vidéo. Donc on est sur la Lune, hein, tout simplement, on est sur une base sur la Lune. Tiens, il y a un petit gilet pare-balles. Donc on vient de récupérer notre équipement, on s'est arrêté juste là. Donc on va voir ce qui se passe après. Je sais pas si on peut pas le découper ça, d'ailleurs. Je crois bien que si. Donc j'espère que tout le monde va bien. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, activer la cloche. Pour la vidéo, le petit pouce, le commentaire qui fait plaisir. En attendant, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien. Très bonne vidéo et à très vite, les amis. Super. Allez, c'est parti. Donc, la vidéo précédente, j'ai joué comme une grosse quiche. Ça m'a bien gonflé d'ailleurs. J'espère mieux faire. Dans cette vidéo. Voilà, donc l'arme là, elle est terrible. Tout simplement, voilà. Voilà, comme ça on économise les balles. Alors, on a gagné quoi? Un pistolet. Fusil à lunettes amélioré laser. Excellent. Ok, donc là c'est pas des cartouches, c'est des batteries. Ok. Allez, on essaie de visualiser déjà. D'accord. Ah, ça en surchauffe. On va essayer de ramasser tout ce qu'on peut. Par contre, les armes, elles sont vraiment stylées. Alors. Ouais.
On va essayer même de descendre. Voilà. Celle-là, on l'a rechargée aussi. Ok, couteau de lancer. Donc, ok. Allez, elle est déjà cassée. Je fais des bêtises. Voilà. On ne peut pas aller. Ok. Je pense que c'est bon. Ok. On va bien voir. Très bien. Super. Voilà. Ça sent pas bon ça. Il devrait y avoir un tunnel de service qui relie les cartouches du personnel au laboratoire. Essaie de trouver le moyen d'y accéder, William. Voilà, comme ça on les laisse un peu s'exciter. Ah, je me trompe. Là. Okay.
Allez, cette arme là, normalement. Allez, on charge. Par contre, je comprends pas pourquoi le... Il bouge pas le monsieur là-bas là. Allez, on garde tout ce qui est intéressant pour nous. Voilà. S'en sort bien. Ces endroits on l'a déjà fait, ok. Normalement. On est bien. Là ça ne s'ouvre pas, ok. Là ça ne s'ouvre pas. C'est ça encore. Ah ok, c'est rien. Très bien. Quelque chose. Voilà, une grenade. Ok. Donc là on peut ouvrir. Voilà, bon, on n'a pas trouvé grand chose. Ok, je l'avais pas vu. Bon, ça va. On fait le tour, s'il y a des choses à récupérer.
ça on a ce qu'il faut. Donc là non, c'est pas là. C'est pas ici. Ok. J'imagine qu'il faut aller là-bas. Quand même pas mal de petites choses, mais bon, je me méfie toujours quand ils donnent des trucs. Là, ça ouvre pas. On va prendre un fusil. On va le recharger. C'est où j'ai rechargé là? Voilà. Hop. Ah oui, quand même. D'accord. Vite là. Ouais, donc non, on va pas y aller maintenant là, on va déjà recharger l'arme. OK. Il y a un autre tunnel de service qui relie les laboratoires au SAS. On a déjà tout récupéré. Ce qu'il y a à récupérer. C'est quand même bizarre la tête là qu'on voit. Ok, allez. Pas mal d'armure. Fragment de code. Non, c'est
Voilà. C'est pas là. Ouais, ça doit être là. Allez. Le calme avant la tempête, à mon avis. Ah non. C'est une combinaison spatiale sur la surface de la Lune. Pourquoi paniquer? Allez. D'accord, des drones. J'aurais peut-être pas dû. Il est où? Voilà, on saute. Il y a la gravité. Hop là. La pesanteur, pardon, la gravité, j'ai n'importe quoi. Voilà. Avant tout. Voilà. Ok, on enlève la combinaison. Voilà. Allez. Bon, ça va. On s'en sort pas trop mal. Oh. Je me souviens de ce jour. Dans ce foutu camp. Cette femme, je la connaissais. Une forte personnalité, volonté de faire. Plus de famille, plus aucun proche. Mais elle a toujours gardé la foi. Moi aussi, je garde la foi, mais pas avec autant de certitude qu'elle. Pour moi, tout doit être remis en question pour laisser place au questionnement. Sinon, on ne peut rien apprendre. Regardez ça. Ce camp est le fruit de la conviction aveugle et féroce. C'est là que conduit la certitude absolue. Vous êtes croyant. Je
Je me demande souvent quel genre de dieu peut permettre que ma souffrance arrive. Et je me demande aussi si ma foi est vraiment bien placée dans de telles circonstances. Je mets peut-être à l'épreuve. Bien, Jimson, si jamais c'est une épreuve, nous échouons misérablement. Normal. C'est normal. C'est la base. Ok. On avance encore un petit peu et on arrêtera la vidéo. Il y a un terminal contenant une base de données de cryptage-décryptage dans la salle d'opération. Trouve cette salle, puis accède à l'ordinateur et imprime les clés de décryptage nucléaire. Ok. On va aller faire le ménage. D'accord. Quelle honte. Bon, on va faire autrement. C'est pas grave, j'ai voulu faire le Fangio. Voilà, bien fait pour moi. Bien fait pour moi. Bon. Eh ben. On va la jouer. Il y a un terminal contenant une base de données de cryptage-décryptage dans la salle d'opération. Trouve cette salle, puis accède à l'ordinateur et imprime les clés de décryptage nucléaire. Très bien.
Voilà. Tac. Bon, allez, j'imagine que c'est un point de contrôle. On arrêtera là. Voilà. Très bien, bon on arrête là et on verra ce qui se passe dans la prochaine vidéo. Ben, je vous dis à très vite. Bye bye.